Bonjour tout le monde, et bien voilà, on se retrouve pour découvrir la Dégusta Box du mois de janvier. Donc la voici, la voilà. Elle est hyper lourde. Donc la voici. C'est parti, on va découvrir ensemble tout de suite. Alors le thème, je vous avouerai que je ne me souviens plus du tout du thème. Donc on va découvrir ensemble hein, tout de suite. Donc, alors nous avons le petit menu. Et donc c'est box hivernale, voilà. Et donc nous avons 10 produits apparemment. Nous avons une dizaine de produits. Et derrière nous avons une recette de cupcake de lasagne. Donc voilà, bon bah à voir, hein. on va démarrer. Donc première chose que je prends, un gros bol de ramen, je pense, oui c'est ça, XL. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors je connais pas du tout la marque, Monsieur Mine. Donc pourquoi pas à tester. Alors là c'est un bol XXL, hein, donc je ne sais pas pour combien de personnes c'est, je pense pour une personne, mais voilà. Bon à tester, pourquoi pas. Alors, ce bol coûte 2,20€. Et donc, nous avions version poulet, bœuf ou piquant. Alors, par contre, nous avons la version goût piquant. Bon. Le sucre, ça doit être les... D'accord, la fameuse boîte de lasagne comme un chef. Donc voilà, une petite boîte de lasagne Mustu Cru. Je vais dire que ça tombe bien, parce que je voulais racheter justement des lasagnes pour en faire. Et puis, voilà, du coup, j'ai déjà la pâte. Donc, nickel. Bon, à tester, celle-ci, je les connais pas. Hein, donc pourquoi pas, cette boîte coûte 1,59€. En plus, du coup, on a la recette. Et pourquoi pas nous faire la recette qui est indiquée sur le produit, sur le menu. Un peu abîmé. Une boîte de gâteau, tiens, ça faisait longtemps. Les recettes de Céliane, je ne connais pas. Des biscuits cranberry. D'accord, des petits biscuits sans gluten. Eh ben, à tester. Voilà, des biscuits sans gluten. Oh, sympa. Alors, la luminosité, elle a baissé d'un coup. Là, j'ai le soleil qui est en train de se coucher. Enfin, se coucher. Il est encore au milieu d'après-midi, mais là, je ne sais pas ce qui se passe d'un coup. Et c'est tout sombre, donc je vais me dépêcher très vite pour pas finir dans le noir. Hein. Donc, ensuite, je ne vous ai pas dit le prix. Les Lustus Crus non plus. Si, 1,59€, les Lustus Crus et la boîte, les recettes de Céliane, 3,66€. C'est cher quand même. Une grosse brique de lait, tiens, ça faisait longtemps. La marque Soy, par contre, je ne connais pas non plus. Boisson plaisir au soja, miel et sarrasin. Donc voilà, un litre de brique de lait au sarrasin. Bah, à tester, hein, c'est un peu comme toutes les autres. Moi, généralement, je bois que du lait de vache. J'en bois pas beaucoup, mais ce que je bois, c'est du lait de vache. Mais à chaque fois, je me dis, il faut que je teste absolument ce genre de lait... non animal, des laits végétaux et du coup ça me fait toujours l'occasion de pouvoir tester. Donc voilà, une bonne brique d'un litre de lait de soja, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Et pour l'instant c'est cool parce que c'est que des marques que je connais pas à part le Stucru, mais ça change du coup. Je suis plutôt contente parce que là c'est des vraies découvertes. Donc 2,90€, c'est quand même pas donné, mais bon. Alors ensuite, la marque Nu, donc ça on connaît, c'est un petit smoothie et ananas, banane, coco. Donc ça à boire très frais le matin, j'adore ça. Donc là je suis contente, ouais, je suis contente. Un produit que je... enfin, une marque que je connais. Bon, le goût là, je connais, enfin celui-ci en particulier, non, mais je suis plutôt contente parce que je pense que ce week-end, je vais, un de ces matins, je vais pouvoir me le boire. Donc cette petite brique coûte... 2,20€, pardon. Donc il y avait aussi des saveurs orange, mangue passion et donc ananas, banane, coco. D'accord. Bon, celui-là me va très bien aussi. Donc nous avons aussi Côte d'Or brut noir, noisettes grillées et amandes. Oh, trop bon. Donc là, du Côte d'Or au chocolat noir. Comment vous dire que c'est ce que je préfère comme chocolat. Donc le chocolat noir avec des amandes et des cacahuètes grillées. Oh! Ça a l'air d'être une tuerie. Alors ça, pour me... ça c'est pas bon ça. Ah, ça c'est pas bon ça. Donc ça, super ça. Trop bon. Coûte 3,29€. Ensuite, nous avons des petits Vertes originales, donc Creamy Candy. Donc voilà, c'est les classiques, ceux que tout le monde aime. Donc voilà, ça sent bon le caramel, c'est trop bon. Donc rien à dire d'autre. Donc ça c'est trop bon, 1,85€. Ensuite, nous avons
Une espèce de pâte de fruits, c'est ça? Oh, El Quiroté, je ne connais pas du tout, je ne sais pas comment ça se prononce. Pâte de coin, d'accord, c'est de la pâte de coin. À voir, je ne sais pas trop comment ça peut se manger sur avec des gâteaux, je ne sais pas. Donc, bon, à tester, hein, la confiture de coin, c'est pas mauvais, moi j'aime bien, donc va à voir. Donc là, il reste que des produits emballés, donc je vais les déballer. Alors, nous avons une petite sauce wok soja sésame, donc de la marque Gotan. Donc, c'est une super marque. Moi, j'aime bien cette marque-là pour les produits asiatiques. Et donc, là, c'est une sauce wok au soja sésame. Et ça, c'est chouette parce que quand je fais des petits. J'aime bien faire des petits plats, des fois asiatiques, sucrés, salés, etc. Et celle-ci, ça va m'être utile. Et je suis plutôt contente parce que j'ai jamais testé. Et ouais, ça va me permettre de faire une super recette, je pense, avec du poulet et des petits légumes comme ça. Des poivrons, des carottes, voilà, à refaire revenir dans un wok. Je trouve ça top. Moi, j'aime beaucoup. Donc, ce produit-là coûte 2,99 €. Et nous avons eu deux petites bouteilles de cidre, donc doux et brut, de Louis Craison. Donc, on l'avait déjà eu l'année dernière. Je ne sais pas si c'est pour la Chandeleur ou je ne sais pas quoi qui arrive bientôt. Donc, voilà, à faire avec des petites crêpes à boire. Alors, c'est bien ces petits formats parce que quand on boit. Ça peut être pratique à boire, quand on est que deux. Donc, moi, je trouve ça bien. Donc, voilà, deux bouteilles. Plutôt, c'est connu, on a déjà eu ces produits-là, mais bon, c'est avec plaisir que je les retrouve. Le cidre, en plus, j'aime ça, surtout le brut, mais bon. Coûte 1,10 € la bouteille. Donc voilà, je vous ferai un petit récap que je vous mettrai par ici du prix total de la box. Comme ça, vous aurez une idée aussi du prix de revient, parce que je paye la box 15 €. Je ne savais plus, oui c'est ça, 15 € frais de port compris. Et donc du coup, voilà, vous aurez un peu. Là, je ne vais pas vous faire le calcul tout de suite, mais je vous le noterai là, comme ça, tout le monde, vous le verrez tous, et vous aurez une idée de la réelle valeur et si vraiment c'est intéressant. Voilà, si cette box vous intéresse, je vous mets aussi un lien un code promo qui vous permet d'avoir une réduction de 5 €, voilà, en passant par ce lien. Et donc du coup, elle vous revient plus qu'à 10 € et je trouve que pour 10 €, elle vaut le coup. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce en l'air, comme ça m'encourage et ça me fait plaisir. Et je sais que ce genre de vidéo vous plaît. Retrouvez-moi sur Facebook, Instagram, tous les liens aussi sont juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!